Los Angeles. Allez, ok, papa, on y va aussi. Oh, papi, comme moi aussi. Ok. Comme moi aussi. Comme moi aussi. Sors. Chérie, ta. Voilà, puis chérie, n'a mal au bar à sa mon avocat. Voilà, ma telle bonne, elle est au coyo. Roger. Didier Vaco de Los Angeles. Allez, ok, papa, on y va aussi. Oh, papi, comme moi aussi. Ok. Comme moi aussi. Comme moi aussi. Sors. Chérie, ta mal au bar à sa mon. Olingaka kolona lelo kolona espace ya ba amoure ba amateur ya bilanga o balini kolona tala espace est ce na mboka oyo tuzana droit okufa nzala mabene ya nguyu uto onyo soza na posa kozwa ko bandana 1 hectare 2 hectares 3 hectares 4 hectares 5 ou 15 hectares 20 hectares pour na kolona ko sala ferme tous ana kosenga na bambaya. Il y a espace, il y a un terrain, il y a ma femme, il y a moi. Ah, la première position, c'est la première position, c'est les occupés. La bande de l'école, le moment où on est la construction, la première position, c'est l'occupé des gens. Donc, à ce côté-là, la deuxième position. Je suis côté à ce côté-là, la deuxième position. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On a fait un bandit déjà, désormais, ma belle est à moi aussi, il y a moi. Non, exactement que nous sommes d'aller enclavé. Impraticable, non. Au moment où tu es dans la voiture, y a mouké. Donc tu es pour entrer à Bilanga yango, donc entrer à y a espace yango. Donc tu es plein la moto qui a mouké. Soit dans la jeep là, au bout du compte, bimba y a mon saranaté. Penda bitumba so bitumba bitumba otondolo batau zaki bana mike la guerre commence tout le monde position fort c'est comme ça ya nani bienvenue émission ya sika ba information ya sika bana ya Congo bosse pela déjà kamwa siaye peka news. Ici, on se retrouve attaché vos ceintures, Tobandi, émission Yalelo, Bosepela. Chers amis, gouvernement congolais menace de quitter la négociation entre Kinshasa et Kigali. Oezali commandé par le président Lorenzo ya Angola. Pourquoi la RDC veut quitter la table de négociation? C'est relativement avec le comportement. Il y a M23, où les leurs nous ont bombardé, même les déplacés. Où on a dit, bah, victime, il y a bah, atrocité, il y a bah, violence, il y a guerre. Bah, il y a un refuge non loin de Goma. Et maintenant, M23... Alors, nous sommes tous à perdre, alors que Koboma n'a pas déplacé, nous sommes tous les civils, bana, et ça n'est pas si. Et pourtant, ça c'est vrai, laissez-moi vous dire la vérité, côté à Congo, RDC, ce qu'on l'a dit bien, nous sommes tous vraiment mis béco, relativement à la guerre.
pour ça qu'on attaque Pinzate. La riposte est vraiment équilibrée par rapport à l'accord qui est Kende. Mais côté de Bango, c'est vraiment des voyous. Il y a des désordres dans la civile où il y a vraiment faible. Alors, RDC a commencé à quitter la table de négociation. Bafoua, Bitumba. La guerre est commencée, tout le monde est position. Relativement à titre, Nangaï, on a tiré une émission. On a une émission. N'expliquez pas l'information. Et où tu es, on a passé une émission. Chers amis, je crois que vous avez dit que au Sénat, qu'il y a eu deux tournements. Na Sénat. Après les enquêtes, tu vois comment on a que l'intérimaire Yabati Lukwebo n'a pas détourné. Banquette est silité. Mais la première partie de l'enquête, tu sali, ben information tu suis, détournement et salamité selon M. Rémi Moussoungaï, n'est pas qui sorti médiatique, ancien dirkab Yabati Lukwebo. Alors, chers amis, Boyoka Makamweleki, na Sénat. Parce que Bakangi, le sénateur Sangoumana, ou dans les docteur na philosophie, ou dans la intérim, Yabati Lukwebo. Mais c'est l'intérimaire a remarqué que Bahati Lukwebo a engagé une trentaine de communicateurs na Katia Sénat. Alors, le communicateur, selon l'usage et coutume, selon le règlement d'ordre intérieur et le Sénat, le communicateur, il y a 30 idées. Alors, l'actuel, l'intérimaire, a dit couper la dépense pour être inutile, le non-respect, il y a l'usage et coutume dans le règlement d'ordre intérieur et le Sénat. Alors, et ça, qui est mon combat, il savait. Et ce qu'il y a une source en bon, il y a une bima pour nous foutre une trentaine de communicateurs. Mabe, et ça, wapi, ce qui est bakati mbongo wana, ou ils allaient mbongo, selon l'intérimaire, et ça, clairti. Alors, côté kuna, balobi qui a dit détournement, et salami na Sénat. Alors, première partie, enquête, nous avons sali, la recherche, tout sali, ils allaient. Détournement, il y a des fausses informations, donc il n'y a pas eu détournement dans le Sénat. Et au fur et à mesure, peut-être, l'obé de Soussou, il y a des informations relativement à détournement, il y a l'obé qui est salami dans le Sénat, mais détournement en tout cas, et salamité, il y a la première partie, il y a l'enquête, tout ça. Donc nous allons évoluer, l'obé ou après l'obé, il y a des informations relativement à détournement, il y a l'obé salami dans le Sénat. Chers amis, ba condamné 5 officiers na 8 militaires condamnés à peine capitale ou peine de mort parce que bazali ba accusé bango ba fundi bango ke bakima ki bitumba donc devant l'ennemi armé bakima kate devant munguna quel que soit les problèmes. Parce que déjà, si vous prêtez serment devant le drapeau, donc dans le cas où vous avez dit que 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 vous avez dit condamné à mort, et dans le cadre de la commissaire, l'armée efficace. Chers amis, chers internautes, nous avons dit que Tilelo Motomo Kato Tambola calme et pourtant, Makambunio so oyeza ko leka na est relativement na M23 mutu asinya ba accord ezala karemo chibanda Remo chibanda sinya nini na M23 wana Kabila au pouvoir na 2009 Makambunio so za lo awalilo oyo gere ozobo na bozomo na oyo oboyiki ba yakaka awa. Eh, hey, kutu président yambaka bango,
président Lobité, il a dit ministre de l'Intérieur, il a dit que le ministre de l'Intérieur, régime ya Kabila, biloko mi balenga na monaka, ezongi sa komona sima. Ba akor oyo, na kontra chinois. Nde kontra moko lisusu ebimi, ya deux entreprises, na oche na bino video siku. Kaka mutu oyo, bozo mona i chef ando lobe da wana, alingeti aza kolande, alingeti aza zobatei, alingeti aza mayele, aza ko sove mboka. Aza ko sali sa réellement président de la République. Aza na sima ya vision ya chef de l'État. Fati Liboso alingeti na sima. Fati soka tche un pas alingeti na sima pa tche un pas. Soki Fati bakisi lokolo alingeti na sima bakisi lokolo. Soki aza na batu baza ko sali sa réellement des présidents de la République. Président Fati Beton, son excellence alingeti aza na sima. Bon Bota la kaka makamna ngalo bane mission yo. Boyoka. Remo Tshibanda a signé document na ba M23. Boyoka makambu quelques conditions M23 ba pesa ki na RDC à l'époque ya Kabila oyo bandima ki ba kosala yango. Bazwa 43 postes ya commandement. 43 postes de commandement à l'Est. Bapé Sango, il y a beaucoup, il y a M23. Bazui, la police. Bakoti sa, naba officier. Oyo ba grade, bapé si bakona rébellion. Balon ou la mote, ma reconnaître l'ango. Naba officier ya armée. Ba intégré, bakona kati ya armée, donc FRDC. Ba cadre na bango ba kota na gouvernement ba sala masolo ba sala tina ba poste régalien ya RDC bata M23. Donc une partie ya RDC, une partie ba cede yango ba bengango lokola zone sinistre oyo M23 fo abana ko contrôler. Zone sinistrée. Une partie à Nord Kivu, Ituri, Maniema, Otuele, Natanganika, ba cede yango na M23 a contrôlé ba bengango zone sinistrée. Administration ya ba côté na tangi wana ezala na compte ya M23, ba nomé ba administrateur, ba nomé ba bourgmestre, ba nomé ba chef de quartier. On a cédé mboka. Bon, on n'y a pas de tomboy. Yangouan. Fatia Zalakate. Mais dans ce cas, moi, je vais interpeller Raymond Tshibandate. Je vais expliquer. Nani a pesa ki yendingi sa. Yako signé ba document et modèle wana. C'est ça qu'on va localiser mboka. Et ça, ba document. Yango M23, dotam la raison de sa partout. Toyokana. To signé ba accord. Toyokana. Fatia Zalakate. Ça, c'est Kabila. Ba ben, c'est Raymond Tshibanda. Ba tourne, parce qu'il va te koufa. Raymond Tshibanda a expliqué à ce qui ordre pas ya nani pour assigner document ya nengi wana. Ba zwa ba cadre na bango ya M23, ba positionner bango na présidence de la République. Y compris ba garde républicaine. Ba outa na M23, ba moni ba kenge la ka président, de ba kon liya président El Nusso ba lingye dans la 5e président Mika be kaya Basilani. Raymond Tshibanda. Ba benga yenan. Ba tou na yenan, e ba ndaki ndengeni. Me, to so la kaka ba gen, ba tou ba koufi, boye na boye. Na zo bona, Raymond Tshibanda, amona vera libre, ala ko se inquiétete. Toye banan makambu soubassement la quintessence ya contrat wana. Nan ya tinda ki ya signé bloka ningi wana. Et pourquoi? Et pour quel intérêt? Yango M23 baza ko revendiquer ba accord un seul individu a signé au nom de la nation
pour le pesa ma belle wana. Yango ba ya ki pa ya fachi. Ba yibi si ah. Bitu moye banda kala to chaki na se parce que boina boy. Lokola yo koti na pouvoir. Tala makamuto sola ki yango. Bon, président lobi tan ba ya ki ye aye bakite. Mais na masolo azala ki pe pourté. Mais ministre intérieur ayamba ki bango basolola ki certainement parce qu'il rapporte pas chef de l'État certainement que non voilà ce que M23 réclame na masolo basalaka tant que bien na pouvoir. Je crois Fati avait catégoriquement refusé yamba bandi ko guerre. Donc guerre oyo bilo ko réclamer yango wana. Ça c'est vendre le pays. Yango Fati akondima makambu uti. Wana boye baki akondima yango uti. Yango mwona ka taba tu laka Fati makambu ya M23 lobaka. Nako negosye na bangote. Soko tali l'idée principale ya bakor oyo seri Rwanda. Paske Rwanda azana bezo ya espace. Batuti na yipisa kabino ni kamo banda kalale tuti on peur de Hutu. Paske to utar ba utu ba kozonga kana pouvoir na Rwanda. Tango ba kozonga na pouvoir na Rwanda ba ko pourchasser les Tutsi. Ba Tutsi ba kozanga place ya kokima. Yango Kagame ali ra préparer les bango déjà terre promise. Où coule le miel ba ya ko s'installer et pour toujours. Ou alors c'est au Congo en RDC. Chers amis, Nazongi, nous avons un contrat. Boyoka, trois ministres, donc trois warriors avec S Nasuka. Nakati kuna, Yaniko, abimili sous na dossier wa. Et bon, on loba, IGF, alo salamabe, azalou kouta. Mutu ba kote la kote la kote tsoka ba yoka songa do kote la ye yaniko ba maisi chibangu ba zo kote la ye ba lampadere ye ba lampadere ye yangoyo eza lampadere te sur facturation kaka mutu ba kote la abimili susu na examen d'état ya dossier oyo. Je viens de faire une initiative parlementaire de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à trois membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de Portefeuille, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, au sujet de la signature par les trois membres du gouvernement d'un accord de joint venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droit des Émirats Arabes Unis. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. Deux sociétés Primera RDC. L'une Primera Gold pour l'or et l'autre Primera Metals pour le 3T. Mesdames et messieurs la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi ? Chaque société Primera n'apporte que 20 000 dollars. Je dis bien 20 000 dollars. Primera Gold, 20 000 dollars. Primera Metals, 20 000 dollars. Et dans les 20 000 dollars, la RDC apporte 9 000 et la société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause des 11 000 dollars, les trois membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans. Pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterite, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces gisements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans, en sorte que, à raison de seulement 11 000 dollars, Primera soit la seule société à pouvoir
commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterite pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations inédites, et là où elle doit payer au taux de réduction scandaleuse. Rien que pour le coltan, les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé, uniquement pour le coltan, le trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours d'un mois, à voir le flux, nous perdrons 500 millions de dollars chaque mois pour les trois provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres du gouvernement concerné parce que, comme vous le savez, le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créons des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux, en ce qui concerne le règlement du contentieux, les trois membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je n'invente pas, le contrat est là, je l'ai. Vous allez même le publier. En ce qui concerne le contentieux, les trois membres du gouvernement mettent à égalité la RDC avec une société privée en disant que, en ce qui concerne le contentieux ou l'exécution des décisions arbitrales ou judiciaires nées de cette convention signée, la République démocratique du Congo n'invoquera pas son droit à la souveraineté, ni des immunités y attachées. Ce qui revient à dire qu'en exécution d'un jugement produit par Primera, nous pouvons nous retrouver avec le palais du peuple saisi, les comptes du trésor public saisis, le palais de la nation, des immeubles, les symboles de souveraineté ne sont pas protégés. Disons que ce n'est pas normal. Ensuite, comme vous le savez, la société Sakima, à laquelle les trois membres du gouvernement enjoignent de signer des contrats de joint venture avec la société Primera, cette société a déjà signé des contrats de même nature avec des sociétés de droit congolais, lesquelles sociétés ne sont pas disposées à renoncer à leurs droits. Ils viennent de faire des déclarations. Il s'agit de la société Amir SARL, CDMC SARL, Stone Mining Company SARL. Une association, qui association on a Ezali, je crois, on a collaboré avec maman, notre première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, basu idée ya kobeti sa fali ipupa concert na Goma. Concert wana balobi, droit d'entrée c'est de 300 à 1200 dollars. Mbongo se wana ba kopesa ba sinistre ba déplacé ya ba atrocité ya est. Alors bana ya Goma ba humilité ba réagir. Ba lobi boy. Écoutez-moi bien. L'idée est géniale. Mais les lieux du concert nde ba sepelité eza na Goma parce que là ba to kokota concert wana bana ya Goma, ba to ba victime bana ya Goma. Donc, c'est-à-dire, balingi, bango, moko, ba, se prendre les sous en charge. Comme l'idée est géniale, ba, délocaliser concert, wana, ya fali. Ba, me mango, atta, na Congo central, na Matadi. Ba, me mango, atta, y pa, ya, Fifi Masuka. Donc, on a, kuna, ba, minereza, y belé, atta, na Katanga. Tango, ba, tu, mbongo, ba, kokota, na concert, wana, ba, zui, mbongo, wana, ba, sali, si, mena, ba, tu, na Goma. Que, concert ebeta manabana ya Goma, sari bana ya Goma bango bakota concert basali sa bande kona bango ba victime, donc bango moko ba misali sa
Message où est comment, maman présidente, notre première dame, si réellement Aza informé, aye bi projet oyo, bana ya goma balobi ba délocaliser lieu ya concert. Ce qui concerne le bête à managoma, elle a gratuit. Pour la soulager bango, concert gratuit, mais alors concert payant, et salama ailleurs. Parce que bango, on a jour, il y a un verset, bango, on a. Nde bako tcha concert, mon goma, mena gratuit, ba pesi enveloppe. Voilà. Wana idée ya bana goma, bango matracien, balobi et salamata nengi wana, qui a la place. Bango mou ba fouta souba $1,200 na concert pour essayer de sa bango moko. Wana ide et l'équité selon bango. Voilà, nga na peska ka information. A propos maintenant, ya ide na ngayi, tope na ngabe nango ide, solution pour ba Rwande ba se retire na sol Congolais. Avant cela, Naibi Sabino, ces derniers temps, chaleur, calor, moulungé, eza makasi na ville ya Kinshasa. D'habitude, la salle émission a tout raté, mais elle m'a dit que dans le cas, Mikolo yo chaleur, batu balo la libanda. Moulungé, zali makasi, batu, baloukaka moua, ba maya koumela, moua ba sucré, ou ba mela rabière, ba meli bière. Okotambo la banal mobima au moneska courant exaté. Mon cher, n'a pas de mon koi. Eza malilité. Maman, n'a pas de maï, maï. Papa, eza malilité. Mon cher, n'a pas de secret. Eza malilité courant exaté. Tozana, nous na saison de pluie, non, to koti nan elangati. Tang ou trop comme na elanga, bogomona keo. Ba coupure intempestive, et ça la katro, oh ma ye kiti, faut ba kire fleuve. Ba kira raté, ba se la gare la gare, après ba kire. Ba tout bazo se nga démission ya DG ya Snell. Ba tout ba limbi. Ba marche linge banda kout, ba prepare ba sa la marche pour na DG ya Snell. Na yoga ki ba lobi ke, inga aza incapable ya ko servir ba tout nyonso na électricité. Mais je vais vous dire, tout ce qui est en courant dans le Congo, parce qu'il y a moyen de fabriquer même un barrage hydroélectrique, il y a un fleuve, un calame, il y a une possibilité. Courant est comme un problème dans la ville de Kinshasa. Problème, c'est sérieux. Entre temps, déjà, côté carburant, il y a un prix, il y a essence dans la station. Pour vous dire que vous mati déjà na yoki masanga pe elinge mata soki mati transport pe ekomata, c'est un peu compliqué. Na ville vorde ata kura ezate libanga wana elikaka pa régine kapi ata osali karem. Libanga ekole kakaka. Ata osali nini, libanga ekole kakaka. Ya Régine Kapinga na Vilvord. Merci également na madame Christine Mpinda na France et puis na bosanité Roger Chilenge mwana ya Italie. Boyo. Récemment to monaki ba parachutiste bazongaki. Ba parachutiste ressuscité. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outi ko faire ressusciter ba paracommando, nos parachutistes bana ya seta, longtemps oublié, négligé na pouvoir ya Kabila. Chers amis, c'est presque 20 ans ou 25 ans que tout le monde a parachutiste, tout le monde a parachutiste, tout le monde a président de la République, avec les soucis qu'il a, la détermination de redorer l'image de ce pays, a fait ressusciter le commando. Boyoka makanisi nangai. Loko la Rwanda a lingi ko retirer ba troupe na Congo te.
Il s'entête. 3 heures du matin. Bozi bana ya 7. Botindi bana ya 7. Na 3 heures du matin. Libumundu na ezanama ki ba vie ya sika e fare sa sombi. Na sera ki kutu merci. Na général le MM, le saut de mouton, général Frank Ntumba Bwamunda et Beneya Moto, saut de mouton, Frank Ntumba Bwamunda. Na mona ki ba avion a somba ki, oye me baraba troupe, avion na mona mataki ango banam Mbujimayi, ti Kinshasa. Parce que na presse présidentielle, tant accompagné chef de l'État, na Mbujimayi, oh, avion ya presse zate. Mwana débrouillé. Nena zi téléphone na nga na bengi général Frank Ntumba Bwamunda le MM. Aim singa aller voir monsieur Tel à côté sa on avion ba soda na matana ba soda na minduki na masasi. Yoka soda cuivre masasi. Mais avion climatisé ya ba soda. Bokoti si ba parachutiste na avion wana. Bon largué, bah, on a 3 heures du matin, bah, qu'est quoi siéger qui gagne? Bah, na y a 7. Bah, quand on a aéroport international, y a qui gagne? Bah, quand il y a radio nationale, y a qui gagne? Bah, encercler ville mobile, y a qui gagne? Et vous verrez, n'est-ce qu'on négocie si court. Toi, siéger, bah, on. Sauf qu'il va libérer, bah, tout, la bille, on va te. Qui gagne les alliés pris en otage dans FRDC, dans la para, dans la seta. Qui sont pour? Dans l'idée nanga. Qui sont pour? Parce que maintenant c'est connu mondialement que le Rwanda a agressé la RDC. Les troupes au sol du Rwanda sont au Congo. Si vous avez un peu de sous, nini. C'est connu. Le coup là-bas, comme ça, il y a. Mais c'est mettre au compte à ce coup-là. Nama Kola, la moindre, ça passe. Bounagana, depuis Bazoa, Tilelo. Et je vous mets là. Alors, na place qui est Nama Kolo, et qu'on soit temps et belé. Botin, la biseau, bah, il y a 7 ans. Bon, pèse, bah, comme arme, il y a solo, bah, munitions, il y a bien. Bah, il y a bien équipé. Bah, que nous quittons à 3h du matin, on va voir à 5h, vous voyez, Goma, et comment dirais-je, qui garde tombé. Malamoko. Mobutu Sese Seko Atinda Basoda ya Dragon Despe. On appelle Sylvain Langamorombote, à comme un colonel, je crois. Colonel Billy, à l'époque. Billy Coq, mon colonel. Dragon Bakita, na Kigali, na Rwanda Kuna. Bake kozwa kor ya biarimana na mwasi ya biarimana na bana. Pendant que Kagame a koti déjà ba battre avion ya président Rwanda. Ba koti. Bazi famille ya biarimana. Bazi kor ya biarimana. Babimina. Déjà ba touti ba koti na Rwanda. Batu basali mission ya nengi wana. Basaliti. Basali yao. Fachi. Zwa bango tinda bango kuna. Basali. Oo bako wamba peri. Rie ba yebi bulo. Baki tawana. Kigali kwa zala asyeje lelo kaka. Soki ba parachite. Ba feri parachite bango lelo. Na 3h di matin. Baki tina kigali wana. Pendant que le Rwandais dorme. Ba wacha. Anka fulo mwento. Anka. 3h. Ba tula muka boye. Kigali encercle. Là, ils vont négocier. Pour le bataille civil, le problème est atteint. Pour la colonne, avant moi, et je vous mets là. Bon, soit avion. Bon, largué, ban. À 3h du matin. 5h, qui gagne tombé. Je suis négocier bien. Bon, longue, pour tout longue. Bon, longue, tout tikalia.
Moussala exaté, Bachik exaté, Kigali paralysé. C'est juste une idée. Il a des soucis moko patriotiques. Mais est-ce que c'est impossible? Et monsieur Siri, lobby. Passez à autre chose. Rendez votre logette automatique. Plus besoin de prendre des risques. Dans ce cas, Scafné vous présente ses logettes intelligentes. Elle garantit la protection de vos appareils contre les mauvaises qualités du courant. Soyez en sécurité. Plus besoin d'aller faire des ponts des phases dans vos logettes. Car elle s'exécute automatiquement. Grâce à la logette intelligente. Une fois que vous placez ce dispositif, dénommé Pompe-Bol, votre logette sera automatisée et vous n'aurez plus à prendre le danger d'aller faire des manœuvres dans votre logette électrique. Notre adresse, Limité 10e rue quartier résidentiel, à 100 mètres de l'UDPS. Scafné, toujours à votre service.